Tiens, Rémi, c'est quoi là? T'as l'air bien malade, hein? J'ai bouffé trop de briettes, je suis malade. Bah parlons-en. Quoi? Y'a plus de briettes! Tu me menaces pas avec ce bâton. Tu sais ce qui est arrivé à Francis, toi? Tu me menaces pas avec le bâton! D'accord? Très bien. Monsieur Rémi, vous partez? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, on va à Super Rue chercher des rillettes. Bah pourquoi? Bah parce qu'un jour de chasse sans rillettes, c'est... Comment dire... C'est bah, comme une... comme un pré sans vache. Ouais, j'ai jamais pensé ça. Pré sans vache. Merci. Pas mal, hein. Bon bah voilà, maintenant on est... faut qu'on parte à Super Rue. Et moralité, comme la voiture, nous on est des mecs propres, il faut garder la voiture propre. Donc on enlève nos bottes. Et maintenant c'est au tour de Rémi. Alors oui, je vous expliquais. Rémi, il y a des bottes hyper dures à enlever. Parce que Rémi, c'est un gars, il met deux pointures en dessous. Comme ça, quand il court après le lapin, et bien comme ça, la botte ne glisse pas. Parce que vous voyez le pied, il est plus grand que la botte, et la botte est plus petite. Donc le pied ne glisse pas. Et donc ainsi, ben, il court, il attrape le lapin à la main. Ben, ça c'est rare, mais bon, voilà. Prends quoi, y a plus de rillettes hein. Bah du pâté, non, y a pas. Pâté? Ouais. J'achète de la villageoise ou pas? Ouais, peut-être. Ouais. Bon, j'y retourne. Et voilà, maintenant on se retrouve ici, dans notre club de ping-pong, suivez-moi. Donc voilà, on a fait installer avec l'argent de la chasse un petit meuble comme ça. On a 5 adhérents, 5 chasseurs. Et voilà, donc le ping-pong développe notre endurance. Se permet. Est pas évident à faire. Pour vous expliquer, on s'en sert aussi ping-pong pour faire du battrap. D'où c'est l'impact. Il y en a partout, il y en a là-bas aussi. Enfin bref, on met à profit le ping-pong pour s'entraîner à la chasse. Et il me semble que depuis que le ping-pong est entré dans nos vies, quoi, bah, ça a changé le jour de chasse. C'est un état d'esprit de toute façon, le ping-pong. Ouais, c'est un feeling quoi. Ping-pong feeling. Donc vous pouvez voir ici les caisses à l'intérieur desquelles nous recevons nos fusils. Bon, il y a un truc à pas trop dire. Elles viennent du Liban. Parce qu'au Liban, j'ai un copain qui s'appelle Sémir que j'ai rencontré à la fac. À la fac de chasse de Boulogne sur mer. Et donc ainsi, il m'envoie des fusils moins chers, plus efficaces. Le tir est plus large et puis ils sont automatiques. Comme ça, le lapin il a moins de chance de se barrer. Toujours marré, mon pote Sémir. Oui, on est un peu comme les 3T quoi. Sauf qu'on est deux. Vous voyez le petit bois là-bas? Parfois avec Jackie on y va le matin, assez tôt. J'ai déjà arrivé 4 ou 5 fois. On s'est tapé du bon gibier quoi. Pour faire un dessin. Attendez à propos. Oui. Vous l'avez votre permis de chasse? Bah non. Et quand on l'a fait? Ça coûte la mort ça, c'est trop cher. C'est con, une question, la France 3, c'est n'importe quoi. Je paye plus leur devance moi. Hein. C'est pour poser des questions et conneries comme ça. Hein. Les brasages, travaux, matériel. Jackie? Fab? Oui? Vous faites quoi là? Je suis l'annuaire. Je m'entraîne. Soudage. Excusez-moi encore une fois, mais est-ce que vous avez déjà été contrôlé par des gardes-chasse? Par les gardes-chasse?
Oui. 4 ou 5 fois, oui. Et ça s'est passé comment? Ben disons que je préférerais pas trop en parler. Ah bon? Pourquoi? Disons que nous on n'a pas nos permis avec Rémi. Et ça s'est pas hyper, hyper bien passé pour les gardes-chasse, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, voilà. Ah, c'est tout. Attendez. Rhône, Alpes. Gros, cyste, pionnier, laser, karaoké. Bon alors Jackie, parle-moi du héron. Le héron? Ouais. J'avais pas révisé le héron. Mais il faut tout réviser, hein, chaque fois. Le héron, vas-y. Bon. Le héron. Ben, c'est un oiseau. Pas de blague du style héron, héron, petit patapon. Hein. Vas-y, je t'écoute. Le héron est un oiseau. Mm-hmm. Avec des pattes, des ailes gris bleutées, un bec. Il mange des carpes dans les étangs. Pas mal. Comment tu fais pour massacrer un héron? Je prends le bâton. Voilà. C'est parfait, on dirait. Je suis fier de toi.